But it's fun, and yeah, it's like dancing, no, it's like learning a dance. Yeah, it's fun. Yeah, I always call it like the brutal ballet, because it's really ballet, you know, it's dance, but you're trying to make it look like you're hurting each other rather than dancing with one another. And when you do it right and you have enough time, no one gets hurt, but sometimes when you rush it, you know, you end up, you know, knuckle dusting each other a couple times. You know, I was saying to some people before how I'll never forget the first time I got her on the knuckles in our fight, and I was like, oh, and then I was like, oh, she's still going, and we kept going, and then she finally just dropped, and she's like, ow. I was like bleeding, like full on bleeding. Yeah, and then, I mean, it's just what happens. You end up getting each other, especially the swords we use on the show don't have any protection for your knuckles, so it's bamboo, so it's kind of like wrapping each other on the knuckles with like a ruler or something like that. If you hear like the old stories about like teachers used to do that to people, that's kind of the way I feel about it. It sucks, but fights are really fun, but they're also dangerous, and you hope to not hurt each other, or at least to not like injure each other, which you know is really the biggest thing. And it's kind of like eating candy, you know, you just try not to eat too much. Je vais faire diversion pour qu'on ne les voit pas manger les bonbons. Et je vais donc traduire. Alors, la question c'était, est-ce que les scènes de combat sont un petit peu comme des chorégraphies? Oui, c'est qu'Elisa s'est un peu déviée de la question, parce qu'elle a dit du coup qu'elle n'en a pas fait tellement que les attracteurs peuvent mieux répondre. C'est pour ça qu'elle mange des bonbons actuellement. C'était son excuse. Donc Nadia pense qu'effectivement c'est très dur à tourner. C'est une chorégraphie qu'il faut faire pendant environ 2 heures non-stop. Donc c'est pas forcément extrême, mais et ils ont forcément de très bons professeurs par rapport à ça. Mais ça peut être très frustrant, par exemple, quand on travaille avec quelqu'un comme Zach qui va mémoriser très facilement les mouvements, alors que pour une personne plus ou moins normale, il faudra une journée. Donc ouais, c'est comme une chorégraphie, une danse tout simplement. Et du coup, Zach a rajouté que c'était finalement un peu comme un ballet brutal. Donc, où, évidemment, en théorie, personne ne doit se blesser. Mais si on se précipite un petit peu pour l'apprendre ou pour le faire, bah, il arrive de se frapper un petit peu accidentellement, notamment aux chevilles où ils n'ont pas forcément de protection. Par exemple, avec des épées en bambou. Donc, ils ont des épées en bambou. Et c'est un petit peu comme les histoires, vous savez, les professeurs qui avaient avant les anciennes règles et qui tapaient sur les doigts ou les jointures des élèves. Bah, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà. Prochaine question. Hello. If you could have picked another character to play, which one would you have? I don't know. I mean, I feel like we get this question a fair bit, and it's so hard because everyone does such a good job of their characters, it's hard to imagine yourself, let alone anyone else, playing it. I know I always resort back to Murphy, but I just think it's a really cool character. I've gotten this question a lot as well, and I kind of always answer it the same way. As an actor, I love the challenge of like a new character and of somebody who other people wouldn't think you could do. So in that regard, I think any of the fine women on this stage and their characters, if I could just get cast as any female character and pull it off, I would be really happy to just give it a try. What's her name? Charlotte. And Indra. Yeah, I think Indra is pretty much the biggest badass on the show, in my opinion. Yeah, she's cool. I'd love to play Jackson. I'd love to be Sachin. Yeah. Just in life. In life, I'd love to be Sachin. Yeah. But yeah, I just, he needs more story, man. We gotta,
like give him more time because he could. He's a complex fellow. He's so complex. Yeah, I played Jackson. I played Jaha. No. Really? I don't know. I've your face. I've said like so many of the characters, so many, they're all amazing characters, you know what I mean? Like, so Jaha is what I'm throwing on the list. Ok, alors la question c'était s'il pouvait jouer un autre personnage que le leur, qu'est-ce qu'il pourrait, enfin qui il pourrait jouer. Donc pour Gaelod c'est un petit peu difficile parce que tout le monde fait un très bon boulot à propos de leur personnage, donc elle a du mal à comment dire, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais elle aimerait bien Murphy puisque c'est un personnage qu'elle trouve très cool et très, très sympa. Pour Zach, c'est évidemment un challenge en fait de jouer un personnage et de se l'approprier, et il pense que s'il pouvait jouer n'importe quel personnage des jeunes femmes très talentueuses que nous avons parmi nous aujourd'hui, il aimerait bien essayer, il dit que ça serait d'ailleurs un honneur. Pour Nadia, ça serait Ingra, parce qu'elle la trouve très badass, tout simplement. Et pour Elisa, ça serait Jackson, ou Sachin, dans la vraie vie, elle aimerait bien Sachin, parce que c'est un homme très complexe et très, très sympa. Et ensuite, pour Tassia, ça serait Jaha, juste pour voir un peu vos têtes en réaction. Prochaine question. I'm sorry. If you could change one thing from your character, what would it be? I'd go mad shit and kill people. That wasn't even Luna's choice, that was just the writers having a bad day. So, okay. My face paint. I'd probably change my hairstyle from season 3. It was like, everyone laughed at me, like, they called it spaghetti hair. Oh, that, yeah, what happened there? Like, whose idea was that? I don't know. But you liked it, right? At the time, I thought it was pretty cool, but now I look back on it, I'm like, oh, that was... That's what I love about her so much, like, she's into the uncoolest things ever, and that's so lovable about her. Oh. I wouldn't change anything. No. The one thing I struggled to justify was the murdering of the sleeping children. Might change that. Okay. Alors, s'ils pouvaient changer quelque chose à propos de leur personnage, pour Nadia, ça serait le fait que tout simplement elle tue des gens. C'était pas forcément un choix, mais elle avait juste une mauvaise journée, donc pourquoi pas. Pour Tassia, c'est la peinture qu'elle a sur le visage. Elle n'est pas très fan de son maquillage. Pour Elisa, ça serait son style de coiffure, enfin sa coiffure tout simplement dans la saison 3. Ils ont déjà surnommé cette coiffure les spaghettis. Elle l'aimait beaucoup au début, mais avec le recul, plus vraiment. Zach, il ne changerait rien du tout. Et finalement, Rhiannon changerait le passage où Antari a tué en fait les descendants des enfants de la nuit. On va traduire ça comme ça. Elle n'arrive pas à justifier cet acte, donc elle changerait ça. Prochaine question. Hello guys. I was just wondering how you felt at the end of the day when you stop filming, and the scene is really tough, and because every episode is very intense for us as watchers. At the end of the episode, it's like you don't know how you're gonna get through this, and I'm just wondering how you felt with the heavy stuff that's happening, because there are a lot of heavy stuff happening, like murdering of children and a lot of stuff. How do you feel? Does that affect you? And how do you cope with that? Yeah, there are definitely some things that we shoot that are, I mean, obviously a lot of it's heavy. It's a lot of heavy content, but sometimes we do like go home at the end of the day and just like, you know, like I mean, I've cried, just, you know, when we've done, like when
we murdered Finn, or when I murdered Finn. Sorry. Like, that was just, that was such a, that was, you know, a 15, 16 hour day of just, like, bawling our eyes out and just, like, going, like, you know, going to the deepest, darkest place in our sort of psyche. And that, those sorts of scenes are just, you know, so emotional. And yeah, it can be hard not to take it home with you at the end of the day. I remember, like, usually what I've noticed is by January, when you've been, like, in the mountains, in the snow, you're dealing with all this dramatic content, and you do, like, these 15-hour days, and they're all, like, stacked. But, like, you start the season, and you're like, hey, I haven't seen you. What have you been up to? Like, da-da-da, and everyone's all... And then at the end, I felt like I feel worn thin. And I feel like just I'm carrying the weight of, like, I don't know, I'm exhausted, and you're dealing with difficult topics. And I remember Dean was saying to me, when we were shooting recently, he was like, Tasia, stop looking so scared. And I was just like, like, cause like you just get, or like, I was crying for no like reason. You can get emotional like a lot easier, I think, towards the end, because your character has gone through so much by the end of the season that, yeah, it's heavy. I mean, Luna lost a lot of people. She loved basically everyone. I never took that home with me, but it's exhausting. Also, like the when they waterboard me, like it's just really exhausting. And when you get home to the hotel, just really exhausted, and there's nothing left. But it's thank God, or maybe not thank God, but it never affected me emotionally after I got home. Not yet. Yeah. Yeah, I mean, I think there's levels of, you know, the stuff that kind of builds up on your emotion, but mostly, just like everyone else, I, you know, people think that making a TV show, like, I mean, it's just very physically draining, and so when you're tired, you can become more emotional. So it's really just like when I would finish, like I just go home and like crash down on the bed, like covered in filth with like dirt under my fingernails and grease in my hair and like maybe pieces of like rubber still attached to my face, and just like lie there and take a shower and just be like, all right, what do I gotta do tomorrow? You know, that's the reality. I mean, people don't realize it, but you know, filming is fairly difficult. You're working restaurants, and it's just like it's like that. It's like a long, hard day, and you're just like, all right, let me just rest and get ready for tomorrow. I mean, I can only agree with everything that everyone else has said, but what's different about this show too is, this is sort of what Zach was saying, is that there's like physical stuff that comes home with you too, whether it's like your scarification or the dirt under your nails. Like, until you have a shower, you truly feel completely immersed in it still. Donc, la question c'était... ta question était très longue. Mais en gros, la question c'était comment elle se sentait à la fin de la journée. Après une longue journée de tournage finalement, après avoir tourné des scènes vraiment dures, vraiment difficiles. Hello. Didn't see anything. Donc comment elle se sentait, tout simplement. Et est-ce que ça les affectait beaucoup? Du coup, pour Elisa, elle pense que beaucoup de scènes sont très très dures. Et évidemment, il y a des sujets très difficiles comme les meurtres, notamment celui de Finn qui l'a beaucoup affecté, parce que c'était une longue journée d'environ 15-16 heures où elle a vraiment dû puiser dans les recoins un petit peu noirs, on va dire, de son personnage pour pouvoir tout simplement tourner la scène. Et évidemment, elle a ramené un petit peu de cette journée avec elle, donc c'était très très dur.
Pour Tassia, elles s'en rendent compte un petit peu de ce phénomène en janvier, quand ils étaient en train de tourner donc, dans les montagnes avec la neige, etc. Et au début, ils sont super contents de se retrouver, donc « Ah, salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ?» etc. Mais à la fin de la journée, ils sont vraiment drainés, en fait, vraiment épuisés, à tel point qu'un membre du set lui a demandé « Mais ne sois pas si effrayante, en fait. » Elle était en train de pleurer et elle avait toutes ses émotions qui ressortaient. Et elle avait l'air vraiment effrayante parce qu'elle était vraiment immergée dans ce personnage. Pour Nadia, elle pense évidemment que Luna a perdu énormément de personnes, mais heureusement pour elle, même si elle est fatiguée, elle n'a jamais rapporté toutes ses émotions à la maison. Notamment cette scène où du coup on l'a fait flotter dans l'eau, etc. Il n'y a pas ces émotions qui la suivent, donc elle est très chanceuse de ce point de vue-là. Pour Zach, évidemment, il y a toutes ces émotions qui reviennent, et c'est également physique sur plein de points de vue, donc la plupart du temps il va avoir de la crasse sous les ongles, de la graisse dans les cheveux, etc. Donc il va rentrer chez lui, tomber dans le lit, rester quelques minutes comme ça, puis aller se doucher, se demander ce qu'il va faire demain, et essayer de s'en sortir un petit peu comme ça. Pour Rhiannon, elle peut évidemment être d'accord avec tout le monde, et c'est sûr qu'il ramène à la maison plein de choses physiques, non seulement les cicatrices, mais également toute la saleté, on va dire ça. Donc quand ils prennent une douche, ils se nettoient un petit peu de tout, physiquement et émotionnellement. Prochaine question. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé en jouant une scène? Where you were hurt on set, on the like fighting scene or whatsoever? Did you hurt yourself? I think everyone up here has been hurt, but not everyone has been injured. And I think that's a big distinction. I mean, when you act a lot, you'll get hurt, but you're just hopeful that you're not injured to the point where you have to go to the hospital. I got a concussion once when I was doing, I don't think it was too bad, but we did have to get the medic. When we were shooting episode one of season two, and I was in Mount Weather, and I got wrestled to the ground by two security guards, and I had my hands behind my back, and these two men, you know, had to push me onto the floor, and it's a concrete floor, and the stunt coordinator taught me how to land on my shoulder and not actually hit my head, but I was lost in the moment, I suppose, and just went boom, and like bounced off the concrete, like, and like the whole crew went ooh. And I kind of passed out for a second, and then I was like, what happened? What? And then I went, it hurts, and just like this giant lump on my head. And I was like, no, we can keep going. And they're like, no, Eliza, we have to send it to the doctor. That was a bad one. And Marie got stabbed in the eye. Yeah. She almost lost her eye. Yeah, that was crazy. Yeah, I mean, things do go wrong. Like when Marie got hit, you know, it's like you drive into the mountain, you park your car, then you get picked up, and then they drive more into the mountain, and then that's where hair and makeup is, and then they pick you up after hair and makeup, and they drive you more into the mountain. So if you get hurt, it's a long way home. So luckily we've, you know, been surrounded by good people that no one's had anything too crazy. Marie's probably the worst it's been. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été blessé ou du moins touché sur scène? Zach, déjà, il veut bien faire la différence entre être touché, donc frappé entre guillemets, sur scène, maintenant, pardon, sur le set, et blessé, donc blessé évidemment, aller à l'hôpital, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Elisa a déjà eu une commotion, malheureusement, donc c'était une scène dans le premier épisode de la saison 2 où il y a des gardes de sécurité qui doivent la pousser en fait par terre, donc sa doublure lui avait appris comment se réceptionner sur l'épaule et pas sur la tête, mais malheureusement elle a été un peu perdue dans le moment, du coup elle a complètement tapé le faux sol, donc qui a un peu explosé, etc. Et tout le crew du coup pour filmer était en mode
Ça avait l'air de faire très mal. Donc elle a un petit peu... elle a perdu connaissance pendant quelques secondes, puis après elle s'est mise à pleurer parce que ça faisait très mal. Mais heureusement, rien de grave. D'ailleurs, Marie a failli perdre son œil. Elle s'est fait plus ou moins poignarder dans l'œil, donc ça a été assez dangereux. Et c'était une scène qu'ils jouaient dans la montagne, donc du coup, bah, c'est très difficile d'aller à l'hôpital ou avoir des secours dans ce cas-là, parce qu'il faut d'abord garer sa voiture en haut, enfin plus ou moins sur le chemin des montagnes, puis on vient vous chercher, puis vous avez le maquillage et les coiffures, puis ensuite on va vous chercher et on vous amène encore plus loin. Donc s'il y a un problème, faut compter sur les gens qui sont présents, parce que c'était très difficile. A-t-on le temps pour une autre question ?